Ce sont des cartouches pour les manifestations. Les cartouches pour les manifestations. On a tiré un élève. On a tiré un élève. On a de bon major. Devant l'église, le centre interdiocésain, nous sommes là, les jeunes sont en train de manifester spontanément sur l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo. Ce que nous voyons, nous sommes là, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe. Nous sommes là, donc nous relayons la colère de jeunes face à l'archevêque de Kinshasa qui a politisé l'église. Mm-hmm.
Les soldats loyalistes en supériorité de puissance sur les miliciens de la Côte du Kou qui sont en débandade dans la région de Bambou et de Kobou, en territoire de Djougou, témoignent ces miliciens capturés. Le bilan provisoire fait état de plusieurs miliciens blessés transférés dans un centre médical de la zone. Les trois autres capturés sont transférés à Bounia, explique les porte-parole du secrétaire opérationnel de FRDC en Ituri. Ce sont les blessés capturés sur le champ de bataille. En plus de ces trois ici, il y a au moins 18 blessés qui sont internés encore à l'hôpital pendant ces combats ici. Et la perte sera totale dans les cas ennemis s'ils ne posent pas les armes. Les miliciens capturés conseillent à leurs compagnons encore en brousse à se rendre. Le lieutenant Jules Ngongo prévient tous les groupes armés en Ituri que la paix devra être imposée selon la volonté du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshilombo, imprimé en Ituri par le gouverneur militaire. Lieutenant général Luboya Kachamadjoni est commandant des opérations. Cette troisième phase sera plus violente et ça sera de manière rapide et brutale. Tous les moyens possibles seront mis en contribution pour imposer l'autorité de l'État. Et que le bon citoyen se retire, qu'il dépose les armes et se rende aux forces armées. Le centre de Wampara est déjà prêt à la population d'accompagner les éléments de forces armées qui sont engagés dans les opérations et de cesser avec tout le message d'intoxication et de démoralisation de nos vaillants qui versent leur sang pour la cause noble qui est la paix. Signalons que cette troisième phase des opérations, c'est pour détruire toutes les barrières illégales et mettre fin à la tracasserie de miliciens. Un motif de satisfaction de la population itourienne longtemps meurtrie par ces criminels. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni a effectué une mission d'inspection de troupes et d'évaluation de la situation sécuritaire des Irumu jusqu'à Komanda, où les forces armées sont à la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise des violences au début de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire en Ituri a posé la première pierre pour la construction des 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire d'Irumu, détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Irumu, jambo. Jambo. Alakini leo nakuta mafamii kwa balifuramu kubwa sana. Wakati administrateur alinipatia ile information, mina seba na mie, vile wananipatia ile kado wanarudia kumanyumba yabu. Mimi nitawapatia kado ya kupita tena pale. Amen. Hapa territoire ya Irumu. Tajenga bureau munene sana hapa. Tarudisha manyumba ya viongozi yote walikuwa hapa. Ate ajoe na komanda ya polisi, tafanya ile manyumba yote juu na mwe muone asema Kongo inamipenda, president de la République, commandant suprême anamipenda, premier ministre anamipenda na royabo yote iko hapa. Ana vile. Rappelons, dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bounia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bounia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de ses bâtisseurs. Ça
sont des cartouches pour les manifestations. Les cartouches pour les manifestations. On a tiré un élève. On a tiré un élève. On a tiré un élève, voilà qu'on est en train de disperser les manifestants. On disperse les manifestants puisqu'on a tué un élève. C'est grave à Massy, si vraiment Massy centre. Les militaires, les pharisiens, ils ont tué un élève. Ils ne tirent un élève alors. Voilà comment est-ce qu'on est en train de tirer. Des détournements avérés ont été observés dans les chefs de certains officiers supérieurs des FARDC dans la zone opérationnelle Sokola 2, basée à Goma. C'est ce que confirme la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo en fin mission de contrôle ici au chef-lieu du Nord Kivu. Contrôle fait dans le cadre des fonds alloués à l'état de siège et dont l'essentiel des conclusions a été dévoilé ce mardi 3 août 2021. À cette étape de Goma, on note 9 officiers au total, dont 6 du domaine logistique, génie et santé, à savoir colonel Kingombe, ancien T4 secteur et commandant du camp, lieutenant-colonel Mwamba, commandant base logistique régionale, lieutenant-colonel Mwicho, lieutenant-colonel Baziaka, chef T4 secteur opérationnel Sokola 2, lieutenant-kola et lieutenant-colonel Mukulumanya, ancien T2 secteur opérationnel. Au niveau de l'administration et finances, 3 officiers sont pointés du doigt. Il s'agit de lieutenant-colonel Kasonga Kapinga Gabriel, Major Ngoy Kantengu Jerry et capitaine Genemba Yundu Israël. Les porte-parole de l'inspectorat général des FARDC, le major Jerry, affirment que ces officiers cités dans le détournement des fonds sont mis à la disposition de la justice militaire. Et sur instruction du commandant suprême, qui avait mis des fonds à la disposition des fonds publics à la disposition des forces armées pour l'accomplissement de la mission régalienne, alors il s'est avéré qu'il y avait des magouilles. Raison pour laquelle l'inspecteur général, qui dans ses attributions a le pouvoir de contrôler la gestion rationnelle des différentes ressources qu'on met à la disposition des forces armées de la République démocratique, est venu ici. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs, qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice, à l'auditorat militaire. À Beni, il y avait 6, à Bounia, il y avait 11. Vous faites le total. Détournement avéré. Nimepata diplome d'état. Diplome d'état? Hivi umejua na nini? Kwa nona taarifa? Nipe nyo CV. Nimetangaza matokeo yote examen d'état. Kwanza umepata na ngapi? Mimi nifuata na 65. Kwanza unajua habari za Bushiri wewe? Ha, bado kaka. Tunaenda sasa hivi tujue habari za Bushiri. Subiri kidogo. Ongera Sabina saba kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, exam editor. Matokeo yote ya nyumbani. Habari za uhakika. Fuatilia Nipe News TV.